I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boosters black to match. Ride it on a horse. C'était le 8 juillet 1998. La France venait de battre la Croatie en demi-finale. À Reims, la place d'Erlon, noir de monde. À Troyes, la fête dans les rues. Dans toute la Champagne-Ardenne, les supporters exultent, comme le relate notre journaliste. À Saint-Dizier, près de 500 personnes ont hurlé et chanté une bonne partie de la nuit. Vraiment, partout, ce fut une vraie nuit de fête. Pendant un mois, la Coupe du Monde s'installe dans le quotidien. À Châlons-en-Champagne, au bar de la Poste, on peut assister au premier match de ce mondial. Les maris nous n'aiment pas déjà le foot, donc on vient ici, on est tranquille. Mais le mondial 98, joué à domicile, séduit un public bien plus large. Même ceux qui n'aimaient pas spécialement le football sont venus voir les matchs rien que pour l'ambiance, rien que pour la fête, rien que pour participer. Un public très jeune aussi. Dans cette cantine rémoise, les écoliers ont même le droit à un repas conçu pour l'occasion. Dans les esprits, l'engouement pour le mondial est bien réel. Je vais voir France-Arabie Saoudite. Moi, je préfère Zidane. Il est gentil, je ne sais pas, mais il joue bien. Zidane et ses coéquipiers atteignent la finale. Le centre-ville de Reims est envahi par les supporters, réunis pour vivre ce moment historique. De 7 à 77 ans, tout le monde est dans la rue. Concert en première partie, match sur écran géant dans la foulée. C'était pas un public de grands connaisseurs de football, c'était des vrais supporters. Voilà. C'était pas on refait le match, c'était on va vivre le match, toutes et tous ensemble. De vrais supporters et supportrices. Les femmes sont nombreuses place d'Erlon pour encourager les Bleus. Laurent Villain, journaliste présent ce soir-là, remarque immédiatement leur intérêt pour cette finale. Ce jour-là, clairement, c'est les femmes qui ont mis l'ambiance. Encourage tout le monde, blanc pour la France et le 10 pour Ronaldo. Que le meilleur thème, comme j'ai déjà dit. Maillot bleu, équipe de France, short bleu, short de blanc, chaussettes rouges, nickel pour faire la fête. Il manque les crampons, les chaussures quoi. On ne voyait que des femmes. Elles étaient les plus exubérantes, mais dans le bon sens, hein, les plus joyeuses. Elles n'avaient pas peur de perdre la finale. Elles étaient là derrière les Bleus. Puis, enfin, l'apothéose. Les Marnais assistent à la victoire de l'équipe de France. Scène de liesse, dans les bars, dans la rue. La joie est totale. Tout le monde se sautait dans les bras. Personne ne se connaissait, tout le monde se sautait dans les bras, on se faisait la bise. C'était phénoménal, quoi. Phénoménal. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui s'embrassaient, même à la rigueur, ceux qui ne s'aimaient pas, qui ne se parlaient jamais, ils s'embrassaient. C'était en juillet 1998. La France était championne du monde. 20 ans plus tard, c'est un souvenir inoubliable. Cette musique, ça vous dit quelque chose? Ça fait rappeler la Coupe du Monde, non? La Coupe du Monde, hein? Coupe du Monde de foot, mais oui. Oui. Bah oui. Forte joie, très intense, et puis surtout grosse fiesta. C'était un dimanche soir, je devais travailler à 20h, et mon patron a téléphoné en disant « Écoutez, vous n'ouvrez qu'à 22h parce que vous devez regarder la finale. » Et à la fin du match, j'ai fait le tour du pâté de maison. J'ai mis une demi-heure pour arriver juste à côté, tellement il y avait de monde, des bisous partout et c'était magnifique. Et j'espère que cette année, ça sera tout pareil. Je suis brésilien. Et pour moi, 12 juillet 98, je ne connais pas. C'est blackout total, je ne me souviens de rien.
12 juillet 98, j'étais dans le RID, en colonie de vacances. On a regardé le match et je me souviens avoir couru pendant une heure dans les champs, crié partout. C'est la première fois en Alsace où j'ai entendu autant de klaxons, etc. À Mulhouse aussi, l'ambiance était chaude. 4000 personnes s'étaient réunies à la patinoire pour voir le match sur écran géant. C'était la fête. Oh, c'était un grand moment. Un grand moment, très bon souvenir. Les buts de Zidane. C'est Zidane, c'est tout. Hein. C'est lui qui a marqué l'esprit de toute la France. Hein. J'avais 11 ans, j'étais au salon avec mon père. J'étais contente, quoi. Ça allait dans tous les sens, ça sautait partout. C'était une explosion. C'était Mulhouse, Black Blender, voilà, c'était super, franchement. C'était extraordinaire.